En couture. Thank you, Mr. President. Very quick question. Just for you to confirm that next witness is TCCP-303, is that correct? Because there's some confusion on this side of the room. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Madame Baker. Avant de poursuivre précisément sur votre entretien avec Pol Pot, je voudrais vous référer, enfin vous dire un extrait d'un document qui a été versé dans l'interface par l'éco-procureur et qui est un rapport FBIS dont vous avez déjà évoqué qu'il suivait les nouvelles cambodgiennes. Il s'agit du document E3/295. Et je crois malheureusement qu'il n'existe en anglais, donc je vais être obligée de vous infliger mon accent. Et le numéro de RN est le 00169145. Donc à l'attention des interprètes, c'est le premier paragraphe. Et je vais le lire en anglais. On the morning of 20 December, the British professor and US journalists visited the refugee camp of our fraternal Kampuchea Krom Khmers at Kampeng. They listened with interest to the accounts of savage treatment, persecution, massacres, and extermination raids committed by the Vietnamese enemy against our Kampuchea Krom brothers taking refuge in Kampuchea. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez bien visité un camp à Kampeng le 20 décembre? Est-ce que vous vous souvenez de cette visite? Yes. Vous êtes-vous entretenu avec des réfugiés dans ce camp? Yes, with a few. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a été indiqué sur les traitements qu'auraient subi ces réfugiés de la part des Vietnamiens? If I remember correctly, there are a couple of things. One, they said they'd come to Cambodia for food, and two, to earn a living, make money. In particular, we did not have a lot of time there. It was rushed. But that's, yes, those are the two things I remember, the food and then making a living. Donc vous ne vous souvenez pas sur le traitement particulier qu'ils auraient subi, enfin de détails sur... ou vous n'avez pas eu le temps de poser des questions sur les détails, ou est-ce que vous ne vous en souvenez pas? On the ride over, we were told things by our, I think it was Prasit,
But when we actually got there, we did not have a lot of time. So we, when we talked to them, this is what they mostly talked about, that I remember. And I remember that the conditions of the camp were different from the conditions of a co-op. I wish I could remember in better detail, but it's been decades. Pas de souci, hein. Si vous ne vous souvenez pas, vous ne vous souvenez pas. Un autre point de précision que j'ai oublié de vous demander ce matin, au sujet de votre, votre livre toujours, donc E3/20, pour vous ce sera la page 170-170, ERN en français 00-638-439. ERN en anglais 00-23-78-75 et ERN en Khmer sur deux pages 00-23-22-27 et ça va jusqu'à 228. Là, vous citez des chiffres et vous parlez de la guerre entre le camp de Lundol et les Khmer Rouges. Et vous dites, je cite, « Officiellement, la guerre fit 500 000 de morts dans le camp de Lundol et 600 000 dans les zones Khmer Rouges, ainsi que des centaines de milliers d'infirmes et de handicapés. » Fin de citation. Ma question, comme tout à l'heure, sur le nombre d'hectares détruits, d'où tirez-vous ces chiffres? Et est-ce que, d'où est-ce que vous avez tiré ces chiffres, si vous en souvenez? On the Lon Nol side, I believe they were from the Khmer Republic, and the Khmer Rouge, that was, I believe, a UN, maybe UNDP. Ok, je vous remercie pour cette précision. J'en viens maintenant à votre entretien avec Pol Pot en 1978. J'ai compris de votre déposition au cours de ces deux derniers jours que jusqu'au dernier moment, vous n'étiez pas sûr de le rencontrer. Je n'ai pas bien compris si il faisait comme les autres partie de ceux que vous aviez envie de rencontrer et qu'on vous l'a dit au dernier moment, ou si on vous avait prévenu que vous alliez le rencontrer, mais qu'on ne vous avait pas précisé à quel moment. Est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que finalement c'était quelque chose qui avait été annoncé et qui s'est finalement déroulé malgré vos craintes que ça n'ait pas lieu? No, this was different from all the others. The others we were told in advance and we were prepared. But with Pol Pot, they said they could not promise us at all. And every day we would wake up and ask. So this was, there's no question this was different. Dans l'article dont on a parlé tout à l'heure de septembre 77, vous aviez évoqué déjà une volonté de recherche de respectabilité, je crois que c'est le mot que vous aviez utilisé, en tout cas une volonté d'ouverture. Est-ce que vous avez analysé cette acceptation de Pol Pot de vous rencontrer comme la volonté d'ouverture du régime évoqué? I took him sort of at his word that he met with us in order to talk about the coming war and with Vietnam, very much so. It was from Mr. Yang Suri that we were told about the opening up, but Mr. Pol Pot did not mention that with us. Alors c'est sûr qu'au moment où vous avez cet entretien, vous avez les informations qui vous ont été données par le département d'État, etc. Donc vous n'imaginez pas l'imminence
de l'attaque, mais a posteriori, quand vous êtes parti et que vous avez appris que le Vietnam avait attaqué le Cambodge deux jours après votre départ, en dehors de la théorie sur le pacte de Varsovie, etc., mais sur l'imminence de la guerre avec le Vietnam, finalement, est-ce que cet entretien n'était pas plus... Enfin, en tout cas, Pol Pot n'était pas plus renseigné que les personnes avec lesquelles vous étiez entretenu auparavant sur l'imminence de cette attaque. I'll have to say you just misrepresented what I said. I have a lot of information. You asked me why I went to the State Department for a briefing, and it's a normal thing an American citizen would do, and more American journalists would do before she leaves. I had a lot of information, and I had read all the information, so we knew it was imminent. And simply the fact, as I said earlier, that Yen Sirui had asked the UN Secretary General to come to Cambodia, and when he said no, he invited us, it was quite clear that they knew that a war was happening. As I said repeatedly, it's the question of how severe, and that's where I went and talked to everybody, including the State Department and others you mentioned. But that was not all I knew. Donc, quand vous aviez cet entretien avec Pol Pot, vous n'étiez pas étonné qu'il mette le sujet du Vietnam comme le point central de la discussion, ou en tout cas de sa présentation. It had been the central point through most of the trip, including that trip to the crocodile tanks. Je vais précisément, je crois que je n'ai pas encore donné les URL de cette page, donc c'est toujours votre document E320, pour vous c'est page 425, en anglais 00238138, en français 00638674, et en khmer 00-232-5-6-0, et ça se poursuit à la page suivante. Vous parlez dans cette page du fait qu'il évoque les craintes de l'attaque vietnamienne, et vous dites « Il se répétait régulièrement. Le Vietnam voulait annexer le Kampuchea, en faire son satellite au sein d'une fédération indochinoise contrôlée par les Vietnamiens. À cette fin, disait-il, le Vietnam est lui-même devenu un satellite de l'Union soviétique. Le Vietnam est allé baiser les pieds de l'URSS et a conclu avec elle une alliance militaire. Pour Pol Pot, c'était la preuve qu'Hanoï souhaitait internationaliser le différend entre les deux pays. » Fin de citation. Donc là, je ne vais pas sur ce qu'il dit sur les troupes du pays de pacte de Varsovie, mais encore une fois, dans le cadre du contexte de la guerre froide et des alliances dont on a un peu parlé ce matin, est-ce que cette partie de sa déclaration vous a semblé quelque chose d'hallucinant, ou est-ce que ça faisait sens que dans le contexte de l'alliance entre le Vietnam et l'Union soviétique, le Vietnam pouvait se sentir plus libre de faire certaines choses, notamment d'attaquer le Cambodge à ce moment-là? I'll repeat, the Sino-Soviet split was critical to this war. So obviously, I don't think this is bizarre. Je reviendrai ensuite à les discussions que vous avez pu avoir postérieurement avec Yen Sirui, mais je voudrais revenir brièvement sur
la mort du professeur Caldwell. Je ne rentrerai pas dans certains détails. Je veux simplement revoir le rapport qu'on avait fait votre confrère Dodman et vous soumettre certaines parties de ce rapport à votre commentaire. Donc il s'agit du document E3-3290-3290. Je pense que vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux, donc je vais demander avec l'autorisation de Monsieur le Président et l'aide de Madame Vissier, si on peut vous remettre ce document, sachant que ce qui m'intéresse se trouve en dernière page. Donc le RN en anglais, c'est la dernière page, enfin non, c'est peut-être pas la dernière page parce que le document est long, donc c'est le RN 00419212. Et il n'existe a priori qu'en anglais, donc à nouveau je vais le citer en anglais. Tout d'abord... Enfin, avant de citer en anglais, tout d'abord, je situe le moment dont je vais faire état. Il s'agit, après le décès de Caldwell, Thun Prasit va trouver Dodman dans sa chambre. Donc, je commence ma citation en anglais. At 3:45 a.m., one of the government's Mercedes-Benz limousines pulled in front of the house. A figure got out and walked quickly into the house and up the stairs. There was another rap at my door. It was Thun Prasit, the senior foreign ministry official who was in charge of our visit. The usually dapper man looked stricken and bone-tired. He took me by the hand and led me to a couple of chairs. Miss Baker is all right, but Mr. Caldwell is dead, he said. I think you must come and see. Fin de citation. Ma première question, c'est est-ce que vous vous souvenez de la réaction quand vous avez vu, vous avez revu Thun Prasit après l'incident, après l'événement? Est-ce que la description qu'en fait Dodman dans ce rapport correspond à ce que vous avez vu de M. Thun Prasit ce jour-là, à savoir qu'il était troublé par rapport à son habitude, qu'il avait l'air effectivement perturbé? We were all very disturbed. Un petit peu plus loin dans dans ce rapport, Dodman explique ce que Prasit donne comme explication ce jour-là. Et là, je vais à nouveau citer en anglais. Prasit described the shooting as a political act to discredit us in the world and to show that we cannot protect our friends. He said the terrorists knew that the visit of the first three Westerns to Cambodia was a significant one, and that Cambodia's reputation in the world would be greatly damaged if they were assassinated. Only days later, that Cambodia regime would be driven into hiding by a Vietnamese assault. Fin de citation. Je poursuis sur
le dernier paragraphe, enfin les deux derniers paragraphes du rapport et je vous poserai ma question ensuite. Donc toujours en anglais, les deux derniers paragraphes de la page. Finally, were there any possibilities that the government could have arranged the attack? A dispatch from Hanoi later reported that Caldwell had recently turned against Cambodia and conjectured that the government may have wanted to prevent what they feared would be an adverse report. This seems out of the question. The Cambodian government had everything to lose from the incident. If for some uncountable reason the authorities had wanted us killed, they could have contrived an accident or ambush to kill us all. Okay. And from lengthy conversation with Caldwell up to a few hours of his death, I know that he remained fully sympathetic to the Cambodian revolution. Fin de citation. Je comprends de ce rapport ce que vous aviez dit, il me semble, au cours des deux jours de votre déposition, à savoir que Caldwell était toujours sympathisant et qu'il avait l'air enthousiaste. Vous avez indiqué, ça je reprends vos termes, je ne veux pas déformer, mais dans votre livre, je pense que vous dites qu'il est sorti ravi de son entretien avec Pol Pot, au cours duquel il avait pu parler d'une question économique qui était sa spécialité. Donc, est-ce que sur ce que dit Dodman, sur en tout cas cette impression de Caldwell, ça correspond bien à ce que vous avez vécu et les discussions que vous avez pu avoir avec lui également? Yes, and as I wrote in the book, I was the last one to speak with him, and he said that Cambodia reminded him of Scotland, and Vietnam would be England. So that's the way he put it. And he remained sympathetic to Democratic Kampuchea, no question. Vous avez déjà indiqué que pour vous, votre thèse, enfin, si on vous forçait à répondre à une des thèses qui vous semblerait probable, je prends des précautions, serait que ce serait quelqu'un d'interne au Kampuchea démocratique, peu favorable à cette volonté, cette démarche d'ouverture de Yang Sari notamment, qui aurait pu être à l'origine de l'assassinat. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Philippe Short, hein, Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. À propos de cet incident, il évoque les différentes thèses qui ont été données sur cet incident. Et voilà ce qu'il dit. Alors, il s'agit du document E3/9. La version française, hein, l'ERN, 00639970. Et la version anglaise, ERN, 00396602. Et je n'ai malheureusement pas de traduction en khmer, je pense qu'elle n'existe pas. Donc dans ce passage, il évoque différentes thèses. Et il dit ce qu'il
Ça, c'est la thèse de Philippe Short, qui dit « La version la plus probable, à laquelle paradoxalement le régime refusa de donner crédit, était qu'un commando vietnamien était responsable de l'attaque. Personne n'avait plus intérêt que le Vietnam à démontrer l'incompétence des Khmer Rouges et personne n'était aussi bien placé pour le faire. » Quoi qu'il en soit, la principale leçon de la mort de Malcolm Gladwell était qu'en décembre 1978, la sécurité n'était plus assurée à Phnom Penh. Fin de citation. Je vais peut-être répéter la dernière phrase, qu'il paraît que j'étais trop vite. Quoi qu'il en soit, la principale leçon de la mort de Malcolm Gladwell était qu'en décembre 1978, la sécurité n'était plus assurée à Phnom Penh. Ma question, c'est, est-ce que vous avez déjà entendu cette thèse de la possibilité d'un assassinat commandité par l'extérieur, notamment par le Vietnam? Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez entendues après? As I said, Yung Suri said that at the secular ceremony for Malcolm's death, he blamed the Vietnamese. Justement, à propos de Yung Suri, vous avez évoqué avec Monsieur le procureur international son interview de 1981, donc pas longtemps après votre rencontre de 1978. Il est revenu sur ce voyage et comme la citation n'avait pas été intégrale de ce qui avait été dit, je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est dit. Je ne sais pas si vous avez le document sous les yeux, c'est E3-94 et c'est le RN en français 602-2000. Je suis désolée, j'ai pas fait mon travail, j'ai oublié de prendre les ERN dans les autres langues, donc je vais essayer de lire très lentement en attendant de les retrouver. Mais c'est... C'est la sixième question. I could assist if council would like. I believe the ERNs for the French, you said it was 060-2000. Then the equivalent in English in Khmer is 00578895, and in English 00342501-502. Je remercie M. le coprocureur de son assistance et je vais demander qu'on puisse vous imprimer la page en anglais pour que vous puissiez suivre de façon plus utile. Simplement, avant de... pour ne pas perdre de temps sur les circonstances de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez vu M. Yung Sari ce jour-là? Est-ce que, et comment a été arrangé cet entretien? Est-ce que c'était un entretien en tête-à-tête? Est-ce que c'était vous seul ou est-ce qu'il y avait d'autres journalistes? This is 1980 or 1981. C'est ça, c'est 1982 juillet 1981. Excuse me.
Désolée pour ce cafouillage, vous l'avez. Oui, oui. Okay. Donc, c'est la question sur... Ah, oui. Oh, pardon. I believe it was face to face, yeah. Yeah, and it was, this would have had to be in New York. Je vous remercie de cette précision. Donc le passage qui m'intéresse particulièrement est celui où il évoque décembre 78. Donc c'est la question qui commence la Malaisie en 1977. Et c'est bon, vous y êtes? Oui. Okay. Mm-hmm. Donc, il parle de cette période-là et il dit, à l'époque, les gens au Kampuchea disaient que nous pouvions gagner parce que Pol Pot croyait que nous pouvions gagner. Entre parenthèses, je pense que c'est votre remarque. Il mentionne mon voyage avec Malcolm Caldwell et Richard Dedman. En effet, j'étais inquiet à l'époque. J'étais très inquiet. Le problème était très complexe. Lorsque je suis revenu d'un voyage à l'étranger, en automne 78, le problème était très important. Ce que je craignais, c'était un coup d'État à l'intérieur, pas la menace d'une invasion venant de l'extérieur. Je ne savais pas qui fomenterait le coup d'État. Fin de citation. Ma première question est... Vous avez entendu, vous m'entendez, il n'y a pas de problème? Donc ma première question sur ce passage que je viens de lire, est-ce que, encore une fois, a posteriori, quand vous repassez les images de cette visite en 78, est-ce que vous avez senti que Yang Sari était inquiet à ce moment-là dans les échanges que vous avez eus en décembre 78 et peut-être avant en amont? He said that he was worried about Vietnam. He did not say anything about internal security. Lorsque vous le voyez donc en 81, il vous parle de problèmes internes. Est-ce que dans le cadre des recherches que vous avez eu à effectuer ou dans le cadre des recherches que vous avez effectuées sur la période du Kampuchea démocratique, est-ce que vous êtes tombé sur des documents ou sur des témoignages qui ont évoqué des tentatives d'assassinat de Pol Pot ou d'autres dirigeants et des tentatives de coup d'État avant 79? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu lire dans le cadre de vos recherches? Your Honor, just a very small clarification of the record. I hear counsel in this question and previously reading the document as being dated 1980, while in the English version that I have, the document is dated on each page and at the front 22 July 1981, and the interview we're discussing is 1981, according to the English version. Alors, je pense que ça va être une question de traduction, parce que j'ai bien dit 81, et je pense que ça a été confirmé par Mme Becker. Donc, pour en revenir à ma question, est-ce que... j'ai besoin de la répéter, vous l'avez en tête. Vous voulez que je la répète? Donc, ma question est de savoir... Non, j'ai besoin de la répéter. Yes.
very often in tool slang confessions. But the problem here is that, and people were killed because they were accused of attempted plots, so on and so forth. But the problem here is that that's the only place. There is no legal system in Cambodia, so that you, where there's a jurisprudence where someone would be tried either in a military court or a criminal court and said, this is our evidence, here's the judge or jury, you're convicted, here's the death penalty. None of that existed, so it's impossible to measure the accuracy of these accusations because people were brought in, their friends, their families, and killed because of accusations without any body of evidence. So that's what you come across when you do the research. Donc vous n'avez jamais eu d'entretien avec une quelconque personne que ce soit qui ait pu vous confirmer qu'il y avait eu des tentatives de coup d'État ou des tentatives de renversement sans utiliser le terme coup d'État ou d'atteinte à la personne de Pol Pot ou d'autres personnes. Vous ne vous souvenez pas d'entretien, je ne parle pas en dehors des recherches documentaires, mais de témoignages. Est-ce que... Oh, I believe, off the top of my head, certainly I remember, it may even be in the Yen Tirit interview, and certainly there was mention of that, but there was no document, there was nothing serious other than someone saying this or that or the other, but nothing that would in any way match the seriousness of saying there was an attempted coup d'etat. Et sur les questions de lutte interne de pouvoir, est-ce que vous avez eu des éléments relatifs à ça? On sait, pour n'importe quel mouvement politique, n'importe quel groupe politique, il y a des tensions, ça c'est à travers le monde. Est-ce que vous avez eu, dans le cadre de vos recherches, de vos entretiens, des éléments pour évoquer des luttes internes au niveau du Kampuchea démocratique, que ce soit au sein du comité permanent ou ailleurs? Est-ce que vous avez eu des éléments allant dans ce sens? Oh, yes, I'm sorry. I can't. Yes, and that's part of the tension of between the center and the regions, and it's a drama that's played out all through those records. Et est-ce qu'il y avait des tensions entre régions entre elles, en dehors de centre et les régions? At times, yes. Sur ce point, je voudrais vous référer à votre ouvrage, donc E3/20, en français, ERN 00638523. En anglais, pour vous, je sais pas la. En anglais, c'est 00237968. Et en khmer, 00232348. Je suis désolée, je n'ai plus le numéro de page, j'ai que le numéro de RN. 263, me dit-on efficacement du côté de mon équipe. Voilà le passage que je veux évoquer avec vous. Je cite. Il y eut cependant des problèmes de pouvoir. Une petite bataille opposa dans les rues de Phnom Penh des soldats de la zone Est à ceux de la zone Nord épurée. Fin de citation. Première question, quelles sont les sources sur cet incident et quelle est, si vous le savez, l'origine de cette bataille entre la zone Est et les gens de la zone Nord?
Excuse me, I didn't find it on that page. Could you repeat, what year are we talking? Looks like a punjay chanam nadai. A priori, le numéro qu'on m'avait donné, c'est la page 263. Alors après, je sais que, j'espère que ce n'est pas une question d'édition, parce que je sais qu'il y a parfois des différences. Peut-être me... Je vais passer l'ouvrage que j'ai. Je pense que ce n'est peut-être pas la même édition. Il y a peut-être une ou deux différences, mais si... On veut bien, avec l'aide de Madame Lucier, lui fournir l'édition que j'ai. C'est bon. Donc vous avez retrouvé le passage. Alors c'est peut-être un problème aussi de traduction en français, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez retrouvé le passage, est-ce que vous pouvez nous parler de cet incident? Quelles sont vos sources et à quoi il avait trait exactement? I was confused because you said north and east, and I didn't say the zones in this sentence. I'm afraid my memory is not that good, and I could guess, but I'm not so sure it would be great. In the beginning, the only thing that I can reference is that in the evacuation and the different zones, there were already some differences of how you evacuate, and there were some who controls what. And I don't remember if that was an extension of this because it's only 1 year later or what. I can't remember. But this is not having to, there was a later incidents with factory workers, and I don't think this is it. Je vais passer à un autre passage, du coup. Vous évoquez, alors c'est page 204, oui, 204 en anglais pour vous, je pense aussi, ERN, alors ça c'est le problème, je pense, de la réédition. Donc en anglais, l'ERN c'est le 00237-909. En Khmer, c'est le 00232270. Et en français, c'est la page 204. Et je ne retrouve pas l'ERN. Mais c'est la page 204 de l'ouvrage. Et vous évoquez des secrétaires de zone. Et vous dites... Des secrétaires de zone puissants comme Sopim et Tamok interprétèrent la politique de transfert, comme bon leur semblait. Il y eut bientôt plus de disparités dans la campagne cambodgienne d'après-guerre que pendant les hostilités. Fin de citation. Là encore, même question que tout à l'heure, quelles sont vos sources et est-ce que vous pouvez parler un petit peu des secrétaires de zone, enfin des secrétaires de zone qui étaient Sopim et Tamok? Qu'est-ce que vous pouvez indiquer sur leur façon de fonctionner? Well, Tamok is the stronger character. What in particular are you looking for in terms of how they operate? Looks like people can look like Chang Ban, Chum Nut, beside Rang Nan. En fait, c'est un peu en lien avec mes questions précédentes sur... c'est vrai que vous ne vous souveniez pas exactement de vos sources sur les luttes de pouvoir interne, mais c'est un petit peu ça qui m'intéresse, à savoir la personnalité et les modes de fonctionnement des secrétaires de zone. Pour information, lorsque l'expert Short est passé à l'audience, il a évoqué un terme en parlant de seigneur de guerre pour certains secrétaires de zone. Donc,
Je voulais savoir si, dans le cadre de votre travail, ce que vous disiez sur les secrétaires de zone puissants comme Sopim et Tamok pouvait être en lien avec cette remarque de l'autre expert. Yes, they were strong, and that meant that they exerted certain strong controls and like a strong governor. There's a strong leader. Là encore, en fait, Madame Becker, toute la discussion est au sujet du fonctionnement interne au Kampuchea démocratique et des zones. Vous avez indiqué que même au moment de l'évacuation, il y avait des disparités, etc. La question, en lien, encore une fois, avec ce que je vous ai dit sur le témoignage de Philippe Short à cette barre, à savoir sur... les luttes de pouvoir qu'il y a pu avoir, les personnalités des différents chefs de zone, est-ce que ça a pu avoir comme incidence au niveau de la politique du Kampuchea démocratique? Et peut-être, encore une fois, en lien, c'est une question que je vous pose, savoir si vous avez eu à réfléchir dessus ou à travailler dessus, mais sur les luttes internes de pouvoir et les peurs que pouvait avoir Yeng Sari lorsque il vous a, enfin les peurs qu'il a évoquées, savoir est-ce que il peut trouver un lien avec ces luttes de pouvoir internes. Maintenant, si vous ne le savez pas, je ne vais pas vous pousser plus avant, mais l'idée de ma discussion et mes questions, c'est de comprendre quelle était la dynamique et quelles étaient les dynamiques au sein du Kampuchea démocratique. Par rapport aux zones, les rapports entre régions, entre zones et avec ce que vous appelez le centre. Oh yes, and I definitely studied it and before and after the interview with Yeng Sari because the greater the tension, the greater the center tried to impose the power over the zones. In fact, I remember there's somewhere in the book I talk about Nguyen Chia coming to talk about, was it the northern zone? Yeah, the northern zone. To say they were missing some tape recording, tape. And this put the fear of being arrested because the North Zone was under suspicion by the center. And these tensions were prelude to generally a purge. So the fellow who, this would have been Comrade Pat, and so he remembers going to this lecture where Nguyen Chia talks about the missing tape, which he considered an accident, but was characterized as a mistake, which could lead to being purged and killed. And this is one of those themes throughout, that a mistake is made, an error is made, an accident, whatever, and then the fear that the center will then start an investigation and there will be a purge in the zone. So you're absolutely right. This is a big tension. Et là, encore une fois, vous parlez de tension entre du centre et des zones, mais entre zones elles-mêmes. Alors, c'est vrai que vous n'avez plus les références exactes de cette partie-là, mais entre les zones elles-mêmes, il y avait aussi des luttes de pouvoir et d'influence. C'était pas monolithique. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Yes, and that I think, and again, you'll have to excuse me. I think in some ways the Eastern Zone is one of the better examples of that, where you have the evidence that the tension was not simply over power and resources, which was common. Resources were hard to get, and you wanted enough resources for the people you're taking care of. And in the Eastern Zone, it was also, I believe, a policy issue. So that's, in fact, that about how you treat people and whether or not another zone is going to be used, if there's going to be a tension over those policy issues of how you treat. I remember talking about people going from co-op to co-op. And the explosion in the Eastern Zone was what preceded the flight of the cadre to Vietnam in advance of the Vietnamese invasion.
Alors justement, à propos de l'invasion vietnamienne et de ce qui s'est passé un petit peu après, enfin, ce que vous avez indiqué dans votre ouvrage, je voudrais vous renvoyer un passage. Donc le 3 bar 20, ORN en français 00 638 638 682, ERN en anglais 00 238 147, et pour vous, Madame Baker, ça va être la page 434, votre ouvrage, et l'ERN en Khmer 00 232 571. Et vous faites un commentaire sur, sur l'invasion vietnamienne. Voilà ce que vous dites. Finalement, toutes les pièces du puzzle étaient en place, au moins pour plusieurs années. Le Vietnam, qui s'était rendu célèbre en affirmant « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance », occupait à présent le pays qu'il convoitait depuis des décennies. Avec la signature d'un traité de paix et d'amitié de 25 ans entre Hanoï et le gouvernement qu'il avait installé au Cambodge, les Vietnamiens dominaient toute l'Indochine. Fin de citation. Je voudrais mettre en parallèle ce que vous avez indiqué dans cet ouvrage et ce qu'a pu vous dire, du coup, en contraste a posteriori, ce qu'a pu vous dire à l'époque Pol Pot et ce qui se disait au niveau de certains dirigeants du Kampuchea démocratique, à savoir la peur de l'annexion et de l'occupation du Cambodge par le Vietnam. Finalement, ce que vous dites ici correspond un peu à ce que vous avez évoqué hier avec mon confrère Copé par rapport à ce que disaient les Chinois, Sihanouk, etc., à savoir qu'il y avait une velléité depuis des décennies et que finalement ce jeu politique a permis cela. Est-ce que finalement les deux constats ne se rejoignent pas? Oh yes, they do. That's the absolute tragedy of the situation. As I said, beginning of the war in 1970, the Vietnamese took the side and fought for the Khmer Rouge while they were getting their forces together. And then once they signed the peace accord with Washington, they gradually got out and the Khmer Rouge took over. It's an instance where the Khmer Rouge, out of their fears and finding the Vietnamese behind every bush, eventually prompted this border war with the Vietnamese and sort of opened the door. It's like push-pull. Was it? I'm not of the school that this was obvious and evident it was going to happen. I think the Khmer Rouge, the DK leadership, sort of almost walked into this. So yes, the fear, you walk down the street today and there's fears about the Vietnamese. This is part of that. That doesn't mean that Vietnam is going to invade tomorrow. But this was an instance where they, as I say in the book, they walked into this. They particularly when internal problems that we've just discussed got worse and worse and worse, they blamed their own problems on Vietnam. And that's why I said what's really hard in sorting this out is we don't have, there is no jurisprudence system there. If we'd had a military court where we could see what the evidence was, that this was a Vietnamese plot or whatever, we could have a much better conversation. But this was all, we think this guy is Vietnamese, we think this guy is Vietnamese, we think this guy is Vietnamese. You can't sort it out. There's no evidence. There's no trial record like we have here. So it's a total tragedy. Donc après ça,
que j'ai compris que c'était votre opinion, que notamment sur le problème frontalier, c'était le Cambodge qui a poussé. Est-ce que par rapport aux discussions que nous avons eues tout à l'heure, par rapport notamment au PV de la réunion du comité permanent, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la situation n'a pas été statique et qu'au départ, il n'y avait pas forcément une volonté de guerre? Oh, yeah, I mean, the Brevet line, the Cambodians said, no, we're not going to negotiate that. But the war was not eventually over the Brevet line. It was on the land route. Je voudrais évoquer également un autre passage de votre livre. Alors pour vous, ce sera la page 436. C'est toujours où vous parlez juste après l'invasion. Donc en français, je vais avoir l'ERN. En anglais, ça va être l'URN 00238148, 00238148, et en Khmer 00232573. Non, excusez-moi, je me suis trompée sur les ERN en anglais. Et en... Donc pour vous, ce sera page 436, pardon. Et en anglais, ce sera 00238149. Et en Khmer, 00232575. Et vous dites, donc parler de la période postérieure juste après l'invasion, la 79. L'économie vietnamienne s'effondra et à la fin de 79, le régime se vit contraint d'instituer des réformes libérales qui annihilèrent complètement la marche vers le socialisme imposée au printemps 78 pour préparer la guerre. Les enfants vietnamiens rejoignirent eux aussi les rangs des êtres les plus misérables du monde, avec des taux alarmants de malnutrition et de maladie. Mais plus le Vietnam souffrait, plus ses dirigeants étaient convaincus que le Cambodge devait rester sous leur coupe à n'importe quel prix. Le sacrifice était déjà trop grand pour qu'ils puissent envisager de se retirer. Fin de citation. Je veux vous renvoyer également, et je vous poserai une question. Alors, je vois vous dire non, vous avez un commentaire à faire dans la lecture que je viens de faire déjà. You had an extra sentence about under the thumb. Alors, je n'ai pas rajouté, moi, une phrase. C'est la version française qui correspond, je pense, aux ajouts de la deuxième édition qui ont été rajoutés. Mais moi, personnellement, je n'ai rien rajouté, je vous le confirme. Je parle sous le contrôle de Monsieur le juge Lavergne et de Madame Marie Guiraud qui ont l'exemplaire en français. C'est les nuances qui existent entre les différentes éditions. Donc je ne peux que vous dire que c'est l'exemplaire, la traduction de la deuxième édition de votre ouvrage. Ça ne vous rappelle rien? Yeah, I'm reading. Except for, there's no question that everything I wrote is true. Yes, that's what I wrote. Je voulais vous lire un autre extrait et après vous poser une question sur, sur l'ensemble. Bon, je vais peut-être commencer ma
Ma première question. Vous évoquez dans le cadre des conclusions de votre ouvrage la question du régime actuel soutenu par le Vietnam. Et vous évoquez par la suite, je vais quand même vous lire le deuxième extrait, comme ça sera plus simple. Donc c'est toujours votre document, votre ouvrage E3/20. ORN en français 00638 687, ORN en khmer 00232653, et on va avoir le même problème que pour la phrase précédemment, à savoir que la version de votre ouvrage que nous avons en anglais et qui sert de traduction n'a pas les modifications de la deuxième édition qui existe en français. Donc je vais lire en français lentement pour que ça puisse, le paragraphe puisse être traduit intégralement en anglais. Dans ce scénario, alors, je vais peut-être commencer par le début. Un groupe de communistes cambodgiens, dirigé par un ancien cadre de la zone Est et des membres d'une minorité ethnique, a reconstitué le parti sous le nom de Parti révolutionnaire du peuple et prétend qu'il s'agit du véritable parti fondé en 1951. Pol Pot est décrit comme une aberration dont les crimes remontent à 1975. Dans ce scénario, le plus grand crime du gouvernement du Kampuchea démocratique fut de s'en prendre aux membres du parti, comme Hun Sen, ministre des Affaires étrangères, que le déclara à Phnom Penh en 1983. Il est maintenant aussi Premier ministre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de déstabilisation ou de dénazification au Cambodge depuis l'invasion. La République populaire du Cambodge estime que deux criminels sont essentiellement responsables de l'Holocauste, c'est le terme que vous utilisez, Pol Pot et Ieng Sary. Le parti communiste qu'ils dirigèrent est présenté comme une victime, non comme le bourreau. Et les communistes cambodgiens continuent à gouverner le pays, mais sous la tutelle vietnamienne. Fin de citation. Par rapport à ces constats, je voudrais, ces lectures, je voudrais vous renvoyer à ce que vous avez indiqué hier, je crois que c'était répondant à une question de mon confrère Copé. On évoquait Ieng Samrin et Hun Sen, et vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'anciens Khmer Rouges, puisqu'ils ont été victimes, enfin ils ont fui à la suite des purges, je vous dis de mémoire, vous pourrez me corriger ou rectifier si j'ai mal compris. Donc ma première question, c'est, dans la mesure où ces personnes sont au pouvoir actuellement dans le cadre du nouveau régime, et qu'ils étaient entre 75 et 77 avant de partir du côté du Vietnam, qu'ils étaient, ils avaient des postes, en tout cas des fonctions au sein des Khmer Rouges. Ma question est de savoir, est-ce que vous considérez que ce sont des Khmer Rouges qui sont d'anciens Khmer Rouges qui sont aujourd'hui au pouvoir, ou est-ce que vous faites une distinction? Of course, I believe they are former Khmer Rouge. And what you misremembered was that your colleague said that DK wasn't overthrown because Hun Sen and Ieng Samrin were DK. And I said that's a false analogy. They're former Khmer Rouge who were the veil, the front for the Vietnamese invasion and occupation.
And then I made a reference to Vichy, that to say that Vichy was just a different version of France. In fact, Vichy was the French face for the German occupation. So that's what I said. There's never any doubt that they're former Khmer Rouge. In fact, Kiet Chun, who was my interpreter, was part of the government. I mean, that's not an issue. D'accord, donc j'avais mal compris. Je vous remercie de ces précisions. Je vais en terminer par là. Vous êtes devant cette chambre en qualité à la fois d'expert et à la fois de témoin des faits. Vous avez évoqué dans le cadre de vos recherches du travail, enfin des échanges que vous avez pu avoir avec des gens comme Eder, Kiernan, Chandler, etc. Est-ce que vous faites une différence entre le travail de ceux qui ont un parcours plutôt universitaire, à savoir qui ont consacré une bonne partie de leur vie à l'étude des documents du Kampuchea démocratique, qui parlent le Khmer, etc., et avec votre travail de recherche, mais pas forcément de chercheuse universitaire, que vous avez fait en votre qualité de journaliste. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ou est-ce que vous ne voyez pas de distinction? I'm a journalist. I'm not an academic. Donc, quand vous êtes certainement informé de la fameuse critique de Chandler de votre ouvrage auquel il reconnaît beaucoup de qualités journalistes, etc., mais sur lesquelles il vous critique sur la méthode en termes de sur la partie historique. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que vous considérez que vous avez fait un travail de journaliste et pas un travail de chercheuse dans le cadre de votre ouvrage Les larmes du Cambodge? I saw that in the documents that you gave me, but there was no citation and no date. Could you please tell me where it's from? Alors, c'est un article Requiem pour les années 1970, quand When the War is Over, d'Elisabeth Becker, par David Chandler. C'est un document E-232-1.1.5. Je ne peux pas vous dire de quel endroit il est sorti, mais vous n'en avez jamais eu, n'en avez jamais été informé. I'm not sure about that. I was surprised to read it. I don't know when it was written or where it was published. Now, I know that David Chandler wrote to different academics asking them not to use my book because it's been used quite a bit in universities. But that one in particular, I'm not sure. And I was puzzled why there was, is it a typescript or was it actually published? I mean, where did David Chandler give it to you? À moi, il ne m'a rien donné, mais il l'a donné certainement au tribunal, puisque ça se retrouvait dans les. C'était des documents qui étaient sur le case file. Alors, tout état de cause, est-ce que nous sommes d'accord que. Enfin, est-ce que vous avez eu, pardon, l'occasion de discuter avec David Chandler de votre ouvrage? Après leur parution, est-ce que vous avez eu une discussion de vive voix avec M. David Chandler? He was very positive. And so that's why I'm wondering, what is that an authentic article? I mean, it could be. I would like to know where it was published, the date. Mon équipe, toujours efficace, me dit que c'était dans le China Issues de Indochina Issues, pardon. Indochina Issues, on m'appelle tout son cabra. En 1986.
Il a été publié dans cette revue et en l'occurrence, c'est pas. Il y a des critiques sur votre méthodologie. Encore une fois, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à votre parcours de journaliste, par rapport à des parcours universitaires qui ont des méthodes extrêmement précises en termes de citations, en termes de sources, etc. Puisque ça fait partie de la critique essentielle de cet article de David Chandler. Je peux vous lire la partie précise sur laquelle il y a une critique de votre ouvrage. Il s'agit de l'ERN en français 00852986, ERN en anglais 00850336 et en Khmer 00852452. Et voilà ce qu'il dit là, par rapport à la méthodologie. De fait, ici et ailleurs, j'ai trouvé que l'écriture et l'édition du livre manquaient de rigueur. Tout au long du livre, et particulièrement dans les sections prétendument historiques, sa méconnaissance du Khmer lui fait faire des erreurs, et bien qu'elle ait puisé abondamment dans les travaux d'autres spécialistes pour étayer ses arguments, les noms de ces personnes disparaissent parfois de ses notes. Ainsi, Michael Vickery aurait dû être cité plusieurs fois en référence, notamment aux pages 109, 134, 250 et 254, lorsque Elizabeth Baker semble paraphraser ses travaux de pionnier. Voilà, donc je finis la citation sur ce point-là. Donc c'est pour ça que je vous posais la question de est-ce que vous faites une différence entre des travaux universitaires et votre livre de journaliste. Vous m'avez répondu que vous êtes une journaliste avant d'être une chercheuse. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce point précis, j'en ai terminé mon interrogatoire. Et je cède la parole à mon confrère Kong Samon qui a quelques questions à vous poser. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Yes, I do have something to say. It's an unusual position to say this is a good book, but she isn't an academic. It's a very very old-fashioned view, and if you look at his praise of journalists since then, he doesn't use any of those problems. Most recently, Joel Brinkley, who doesn't have anywhere near my primary resources, is very didn't bring any of this up. So I think he's changed his standards since then. And of all the things you picked the one. Do you want me to read what others have said about my book? I'd be happy to, for the record. The definitive book on the Cambodian Revolution. Becker writes history as history should be written, a work of the first importance. I'd be happy to read more, but I'm very proud of the way this is used. It's still used in it is used in universities and academics to this day. And I would ask you if you believe David Chandler would continue to, because I will tell you, every single journalist who has a book, you'll find a nice David Chandler blurb saying this is really great. So he used it on one journalist that I could see, and that's me. And I will note that I am the only woman journalist who wrote such a book. And that's what I would like to say. Je vous remercie de ces précisions, mais j'en ai terminé mes questions. បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីឱកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញជួបវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតត្រាផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំនៅមានប្រាក់ស្អីនិងអ្នកជំនាញដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ហិកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង